Play action. They also shoot ouvert à 3 points. Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! Et oui, vous me direz que mettre les voix de Naruto en anglais, il faut être sadomaso. Je dis oui. Salut à tous, c'est Troyer. Alors aujourd'hui, je vais tester Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 sur PS3. Alors, je fais mon petit speech de début de test, édité par Namco Bandai, développé par CyberConnectus. C'est de la Combat Aventure, sorti le 15 octobre 2010 sur la PS3, sur laquelle je suis actuellement, et sur la Xbox 360. Alors pour info, en anglais c'est l'intro seulement, on peut pas changer, ce qui est dommage, mais rassurez-vous, on peut mettre le jeu en japonais titré français, ce que j'ai fait dès que j'ai reçu le jeu évidemment. Bon, je vais faire un petit historique des Naruto sur console HD. Donc tout d'abord, on va commencer avec Naruto Rise of Ninja, présent exclusivement sur Xbox 360, qui lui retraçait l'aventure de Naruto du début de la saison 1 jusqu'à on va dire la fin de l'examen de Chunin avec le combat Naruto contre Gaara. Ensuite, sorti alors... qui retraçait ces deux jeux, alors les deux jeux que je vais vous dire ensuite retraçaient les mêmes périodes mais n'avaient pas le même nom. Donc sur Xbox 360 il y avait Naruto The Broken Bond qui reprenait justement à cette période là. Alors un peu en parallèle du coup on commençait avec le combat Orochimaru contre le 3ème Hokage, le combat. Et parallèlement à ça sur PS3 pour la même époque sortait Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Et là vous pouvez me dire le 2, mais comment ça se fait qu'ils sortent, j'ai dit aussi sur Xbox 360, ben je ne sais pas. Mais en tout cas, le 2 sort Ultimate Ninja Storm 2, donc la suite du 1 qui était que sur PS3 cette fois-ci, et sur les deux consoles qui lui, donc Storm 1 et Broken Bond qui lui finissait à aller jusqu'au combat final Naruto contre Sasuke à la veille de la fin. Donc la fin de la saison 1 de Naruto, et là, Storm 2 sur les deux consoles, retrace le début de Naruto quand il revient de son voyage initiatique avec l'ermite Jiraiya 2 ans, donc c'est 2 ans et demi après, un peu plus de 2 ans après la saison 1. Il revient au village, ça commence là et ça finit au niveau de la période, ça finit alors avec le combat avec le combat Naruto contre Pain, donc la fin du combat Naruto contre Pain. Et parallèlement à ça, un peu après on peut aussi débloquer le combat Sasuke contre Killer Bee. Voilà. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec un peu les explications des modes. Alors ce jeu comporte 3 modes de jeu, donc aventure ultime, donc le mode aventure, pour vivre l'univers du manga mythique Naruto Shippuden de Masashi Kishimoto. Très belle retranscription du manga. Donc le mode combat libre évidemment, hein, classique dans les jeux de combat. Et le mode combat en ligne, comme combat libre sauf que c'est en ligne. Et un mode option qui est, pour une fois je m'en fous des modes options, mais là en tout cas permet de mettre en mode japonais titré français. Ça c'est très bien, parce qu'en anglais, non merci. Bon, mais je vais commencer tout de suite par le mode aventure ultime. Je vais recharger une partie. Alors, petite remarque tout de suite, vous verrez, il y a quand même... Enfin, c'est ce que j'ai noté, vous voyez, j'ai fait quand même... j'avais réalisé avant un test écrit qui est sur le site.
Il y a énormément de temps de chargement. C'est pas qu'il soit hyper long, mais quand vous jouez, vous jouez, vous vous rendez compte qu'il y en a quand même pas mal. Et des fois qu'il bloque à 100%, vous êtes là. Toujours des petits conseils hein, dans le temps de chargement. Ça coûte rien. Alors voilà. Alors on verra, bon ça se voit peut-être pas tout de suite, mais quand je vous montrerai dans certaines zones, le jeu est quand même très. Au niveau des couleurs, c'est pas. Vous voyez en arrière-plan, bon, les bonhommes sont. Bon, les sprites des personnages, bon, c'est correct. Par contre, vous voyez les décors, ce qui ne bouge pas, c'est magnifique. Regardez la toiture, les arbres et tout, mais je vais vous montrer un endroit, le mont Myōboku, qui est vraiment magnifique. Donc alors, par quoi commencer? Il y a tellement de choses à dire. Bon, je vais faire des petits trucs qui sont peut-être pas forcément utiles ou je vais peut-être oublier certaines choses, mais je vais essayer d'en raconter le maximum. Donc là, j'ai fini le jeu. Donc bon, les phases de l'histoire, il n'y aura pas de phase à déclencher. Je vais juste vous expliquer. Donc au plein de jeu. Donc là, c'est ce qui permet de sauvegarder. Bon, classique. Vous pouvez quand même ramasser des objets dans le jeu quand vous voulez. Enfin, tout. Vous pouvez examiner pour ramasser des armes, voilà tout pour permettre de fabriquer des ingrédients parce que vous avez aussi des quêtes annexes qui permettent de récolter pour fabriquer des recettes pour fabriquer des arts enfin des recettes des voilà du je vais dire des recettes hein, pour fabriquer des armes des médicaments tout autre comme je disais c'est du combat aventure donc vous switchez entre deux modes donc mode aventure comme là qui n'est pas comme ses prédécesseurs où vous ne vous baladez pas dans un seul lieu sauf si vous changez par exemple là on est à Konoha le village de Naruto dans les anciens quand vous vous baladiez vous aviez une seule zone c'était Konoha avec quand vous alliez à un autre endroit vous aviez un changement un écran de chargement et là donc vous avez des écrans de chargement successifs donc dans Konoha vous en avez plein donc là pour aller là vous voyez là on voit un peu en droite la map c'est les zones dans lesquelles on peut se balader à chaque fois qu'on passe ça fait un petit écran noir donc c'est pas libre comme dans les anciens opus ce qui est dommage mais bon le principal atout de ce jeu n'est pas ça donc voilà vous les interactions pour faire avec les personnages qui ne se voient rien. Alors on peut parler aux gens. Des fois ça peut servir avec l'autre, des fois non. Alors je commence par les choses basiques, après je vais rentrer dans ce qui fait que ce jeu est excellent. Donc voilà, plein de magasins, on peut acheter des objets, de la nourriture pour se ramener sa barre de vie. Alors je vais faire start pour le menu, vous voyez, en bas à droite, donc sa vie. Donc après les combats, la vie ne revient pas, sauf après un chapitre, on va dire un événement qui suit, où votre vie peut être remontée. Alors toujours la monnaie du jeu, la monnaie dans Naruto qui sont les Ryo. Alors différentes choses, donc on va la voir équipée. Alors ça, les niveaux d'amitié, donc vous pouvez augmenter en leur offrant des cadeaux, comme ça le niveau d'affinité avec tous les personnages présents ici qui vous aideront quand vous... Donc à la fin du jeu, vous pouvez... alors tous ces personnages-là, il n'y a que ceux-là que vous pouvez appeler à l'aide, vous pouvez choisir jusqu'à 3 équipiers quand vous faites des missions. Vous pouvez être 4 en tout. Et vous les amenez en renfort. Vous ne contrôlez toujours que Naruto, mais vous pouvez les amener, vous appuyez sur les touches pour qu'ils viennent vous aider. Donc il n'y a que cela à prendre, et évidemment pendant l'histoire, vous ne pouvez pas forcément appeler cette personne-là si dans le sens de l'histoire, elle n'a pas été là. Mais à la fin, vous faites ce que vous voulez. Alors pour faut aller à la salle de l'Hokage, je vous montrerai pour aller les sélectionner. Donc voilà, vous voyez les cœurs, enfin vous voyez la jauge de vie et la barre verte. Et les cœurs, c'est plus il y a de cœurs, plus en fait ils seront puissants et utiles lors des combats. C'est-à-dire que si vous avez un cœur, bah, quand vous l'appellerez, ça fera pas grand-chose. Donc là, ils sont tous au maximum. C'est-à-dire qu'ils sont tous assez utiles quand je les appelle. Il faut faire différentes choses pour augmenter le niveau d'amitié. Donc les objets, donc les nouilles, ça pourra ramener pour augmenter pendant. Alors les nouilles, c'est on peut ça c'est les objets en combat. Donc pour augmenter votre vie, pour augmenter votre vitesse. Votre défense, enfin les trucs classiques, pour ralentir l'adversaire, pour le brûler, enfin tous des objets de combat. Ça c'est ce qui s'utilise hors combat pour vous soigner. Rouleau de téléportation, c'est pour se téléporter sur la map sans être obligé de faire à chaque fois tout le tour. Ces matériaux pour fabriquer les armes ou les remèdes. Donc voilà. Alors les événements, bon, ça c'est par rapport à l'histoire, le résumé et tout, vous pouvez voir ça. Alors la carte du monde, voilà non. Où est-ce que vous agirez? Donc ça peut aller du village de Konoha, le repère de Uchiwa, avec le combat Sasuke contre Itachi, le repère de Orochimaru, le village de la pluie, donc Jiraiya contre Pain. Vous voyez en bas à droite, vous voyez le mont Myōboku, où Naruto ira s'entraîner. Ça peut aller au repère de l'Akatsuki, au village de Suna.
quoi. C'est quand même assez vaste. C'est pas non plus étendu, mais c'est pas mal. Le fameux pont aussi. Ah voilà, c'est le pont du ciel et de la terre. Enfin, tous ceux qui connaissent la série savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, allez voir Naruto. Hein. C'est un manga excellent. Carnage, ça c'est la collection tout simplement. C'est pour, avoir. Parce que comme il y a un mémo en ligne, c'est la carte qui vous représente. Voilà, moi comme je joue pas beaucoup en ligne, donc, vous avez l'image, le titre en haut. Enfin, ça c'est quand plus vous faites de match, plus vous avez un titre élevé. Ça se change comme ça. En bas à droite, l'immortel, ça c'est le titre que vous changez. Voilà. Alors, j'ai 64%, le reste à peu près ça se débloque en ligne. Les points de compétence, ça permet de. Enfin, c'est votre niveau en ligne. Voilà, ça change. Il y a à peu près, il y a 200 cartes. Mais ça que vous obtenez que dans le mode histoire. Dans le mode principal. Alors les collections, là je fais rapidement vraiment le tour des choses superflues. Enfin superflues. Donc technique secrète, vous pouvez voir certaines techniques de certains personnages. Donc vous choisissez la technique du personnage, l'adversaire contre qui vous voulez qu'il se batte, et le lieu, et ça fait comme dans le mode combat, ça vous représente l'attaque. Pas très utile, mais bon. Combat de boss, ça vous remet les cinématiques, certaines cinématiques, comme il y a des QTE comme ça dans les. Dans les combats, et ça vous remet certaines des petites cinématiques. Si vous voulez revoir, il y a un bout de la cinématique qui vous a plu, ça vous évite de refaire le combat. Et les musiques, pour ajouter une musique, des lieux. Donc voilà, très rapidement, voilà, encore un chargement, comme je disais, pour quelque chose qui sert à rien. Je veux dire, moi, un chargement ici, je vois pas pourquoi. Avant un combat, avant une cinématique, je veux bien, mais en revenant en arrière dans un menu, je vois pas l'utilité. C'est le, disons, pour moi, le seul vrai défaut. Il y en a des petits, mais c'est le plus gros que j'ai trouvé. Mais il y en a des petits, enfin, j'appellerai pas ça des défauts, j'appellerai ça des. Pas ça vraiment des didacticiels. Et voilà. Donc ici on peut juste faire, alors dans les cartes, la carte on peut juste faire, donc se déplacer avec le joystick gauche, sauter avec X, enfin, je parle pour la manette PlayStation 3. Quand vous approchez les personnages, vous appuyez sur, voilà, sur rond pour parler. Pareil pour ramasser les objets, tout ça, par exemple si je pense qu'il y a un panneau comme il y a certains objets. Vous appuyez sur rond pour ramasser, oui ça fait des petits. Pas des étincelles, mais ça se remarque. Donc oui, vous ramassez les objets, des fois j'ai jamais trop compris à quoi ils servent. Mais... Alors au niveau des décors, je vais quand même préciser, je vais rajouter avec ce test d'autres vidéos que j'avais déjà fait, des extraits vous voyez, genre, je vais me balader un peu à gauche à droite. Je vais faire quelques combats en plus pour vous montrer si j'aurai oublié des trucs dans le. Voilà le fameux Shiraku, les ramen. Les ramen. Excusez-moi. Vous voyez, vous croisez les personnages, hein, Sai, Kakashi, pour leur parler, ils disent des conneries. Bon là, le jeu est fini, du coup, ils rencontrent de la merde. Autrement, ils viennent vous aider, ou ils vous racontent pour des missions annexes et tout. Parce que le jeu est quand même, au-delà, il y a parfois des missions que j'ai pas. Par exemple, la première mission, enfin, le premier combat du jeu, c'est avant. Que pour moi, le premier combat du jeu, c'est Naruto et Sakura contre Kakashi pour refaire le test des clochettes. Mais non, là, c'est un petit combat. C'est un petit combat initiatique, des petits combats qui sont pas existants. Mais Naruto contre Sakura, je dis bon, c'est un petit combat test. Quoi. Donc, je vais retourner au. Avant de faire une petite visite, je vais montrer quand même des combats. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc des combats inexistants. Par contre, il y a certains personnages. Avec qui par exemple vous ne pouvez pas ils sont présents vers, vous voyez Kotetsu et je sais pas comment ça s'appelle qui sont normalement en combat quand vous faites contre Hidan et quand vous rappelez, enfin pour ceux qui connaissent le combat Hidan Kakuzu contre Asuma Shikamaru et les deux là, il y a ce combat là dans le jeu forcément, mais comme ces deux personnages Kotetsu et Izumo voilà ne sont pas présents, du coup quand vous combattrez il y aura que Shikamaru et Asuma, du coup il y a des fois des petits points, comme certains personnages ne sont pas présents, ils ont essayé de substituer par autre chose. Bon, des fois ça peut être gênant pour les vrais fans de la série, pour ceux qui ne connaissent pas ils sont fous. Donc, voilà, je vais aller au domaine du Hokage. Voilà, comme je disais, récupérer plein de choses.
Alors ça, on traînera après, c'est pour aller au mieux beaucoup. Parce que bon, on n'y va pas à pied forcément. Encore un chargement. Alors. Donc voilà. La salle de Kage. Alors une fois que vous avez fini le jeu, il y a ce bonhomme qui apparaît. Alors, il vous permet plusieurs choses, donc changez votre équipe, voilà. Vous pouvez choisir trois équipiers parmi la liste qui vous accompagneront lors des missions. Enfin, que vous pouvez faire quand que vous avez fini, je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Mais... Allez, par moi, réussir un combat principal, donc les combats du jeu. Et flashback, alors c'est certain, des petits cristaux qu'on ramasse pour revoir des scènes. En fait, enfin, non, c'est pas des cristaux, parce que j'en... non, c'est. En fait, quand vous faites certains combats principaux, il y a des étoiles qui apparaissent. Et si vous faites parfaitement les QTE, dans des moments où il y a les QTE, là où vous devez appuyer sur certains boutons à certains moments, enfin la série de boutons qui est appuyée, il faut appuyer dessus le plus vite possible et au bon moment. Et donc si vous faites, ça remplit une liste d'étoiles, et quand toutes les étoiles sont remplies en haut de l'écran, avant la fin du combat, parce qu'il y a plusieurs QTE des fois dans un combat, qui sont espacés de combats normaux, vous avez un petit flashback, je vous en montrerai un, qui remonte une scène de l'animé. Voilà celui-là. C'est pas une scène. Enfin, vous allez voir de toute façon. Animé, c'est juste des images de l'anime avec les voix et les écritures. Donc, c'est pas animé. C'est un flashback. Voilà. Pendant le combat, c'est rigueur de montrer ça parce que ça colle avec ce qui se passe. Voilà. Sinon, il se rappelle. C'est dommage qu'ils n'ont pas eu des petites scènes animées, au lieu de mettre des images qui se filment. Enfin, on comprend. Donc là, c'est un flashback par rapport à Naruto. Là, c'est la première saison. Magnifique. Bon, la qualité des images, elle est bonne. On va les flashbacks. Alors, quand vous les faites, dans le combat, vous les voyez tout de suite. Si vous êtes dans des toits, il y a le flashback qui déclenche automatiquement. Et là, c'est si vous voulez les revoir. Les scènes du scénario, voilà. Ça, c'est les cinématiques qu'il y a avant et après les combats en général. Et si vous voulez les revoir. Voilà. Alors, les combats principaux. Donc, je vais vous montrer. Alors, il y a les combats normaux et les combats de boss. Les combats de boss, c'est vraiment les... C'est du lourd. Hein. Je sais pas. Combat normal. Alors, ça, c'est le combat qu'il y a dans la démo. Alors, le combat de boss, voilà, c'est... C'est ceux, vous voyez là, les normaux, c'est ceux qui sont avec une arc bleue, et ceux qui sont en orange, c'est déjà des combats plus lourds. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais il y a des combats des fois qui n'ont rien à voir. Je sais pas moi. Bon allez, on va faire un combat sympathique. Confrontation. Voilà un combat normal. Donc on sait bien que c'est encore un chargement. on se retrouve quand même la cinématique et tout ce qui va avec. Et voilà, et les conditions à réunir si vous voulez avoir l'étoile qui va avec. Enfin, si vous voulez avoir, non, là, l'objet. Si vous voulez donc faire complètement le. Donc voilà, alors vous déplacez, voilà le combat normal. Vous pouvez pas changer de zone. Hein. Alors que le. Vous voyez que ça change avant un combat. Faut que je me rappelle. Au niveau des. Pas du badge, mais des touches. Au bas gauche-droite, vous voyez, c'est plutôt des armes qu'on peut préprogrammer. Voilà, c'est bien, silence. Gauche et droite, voilà, j'ai plus rien. On peut utiliser les gâchettes pour se protéger. Alors on appuie, alors pour les jutsu, on appuie une fois Y, ça fait la première technique. Voilà, X1 en général. Pour les Z, il faut rester appuyé sur triangle, pardon, pour charger l'attaque. Et dès que ça passe, le petit crochet qu'on voit là, vous pouvez faire deux fois. Bon, ça dépend, il y a des fois où c'est bloqué parce que le scénario lui. Je ne veux pas, mais quand vous êtes en combat libre, il n'y a pas de problème. Mais en haut, la barre de vie, enfin, il y a plusieurs barres. Vous utilisez rond pour frapper et carré pour défendre que charge le personnage. Pour utiliser des kunai plus puissants pour les enchaînements.
chargez le fouet, vous envoyez sur vos chakras. Vous avez le fouet sur carré pour en faire des esquives quand vous appuyez deux fois. Quand vous appuyez au bon moment sur esquive, et ben, il fait une substitution. On n'a jamais réussi trop à bien faire ça. Ah, Itachi, c'est pas un faible, ça se voit tout de suite. Ah, pareil, pour aller plus vite au niveau des attaques, moi, je vais faire tout fait. J'aurais dû m'y remettre un peu avant le test. Ouais, c'est juste pour l'instant, je prends des personnages. Si vous chargez votre chakra et que vous appuyez sur X, il se rapproche rapidement des lignes. Alors, niveau dynamisme, là, ils ont mis le paquet. Moi, niveau dynamisme, niveau Naruto, c'est énorme. Contrairement aux autres que j'ai rejoué, c'est un peu mieux. Et là, bon, là, ce rendez-vous-là, c'est quand vos techniques sont bridées à cause du scénario, c'est un peu embêtant. Par contre, les échelles, c'est que j'ai tout dit. Je vais un peu répéter. Voilà. Bon, je vous montrerai un peu la liberté plus qu'on a quand dans le mode versif, parce que là c'est pas bridé, c'est normal que ce soit. Donc voilà un combat normal qui se finit, pas trop de cinématique, pas de tuteur, rien, ça c'est le combat basique. C'est très dynamique, toi, alors on va récupérer des points de vie. Là vous avez une note, donc là j'ai des. Un résumé de votre combat. Voilà, jusque-là. Donc quand même très dynamique là, quand les techniques sont bridées. Alors j'ai montré un combat de boss. Alors voilà, je vais faire le combat. Là c'est ce qui se passe un peu avant. Là, le combat final entre Sasuke et son frère Itachi. Alors je vais pas raconter le manga le série Naruto, mais bon. Parce que ceux qui connaissent, bon, ils savent, et ceux qui connaissent pas, ils vont rien comprendre. Donc bon. Et je veux pas trop spoiler pour ceux qui voudraient découvrir. Parce qu'évidemment, quand on sait, on sait des choses et on a envie de les dire, mais bon. Alors là, bon, c'est pour avoir condition bonus. Pour avoir l'objet qui est en bas, il faut respecter la condition. Ah, vous voyez, les conditions techniques secrètes et éveil c'est. Quand les personnages normaux ils sont juste plus puissants, quand vous faites la technique d'éveil, bah, Naruto il se transforme en QB. Enfin, voilà. Cinématiques et tout, mais qui sont vraiment excellents. Ah, cinématique. Une scène, plutôt. Il y a plein de choses que je crois que j'ai montré dans les vidéos. Ah oui, les petits bleus, vous voyez, c'est votre chakra. C'est les boules qui vous perdez quand ils vous tapent. Donc là aussi, c'est bridé pour l'instant. Oui, sa barre de vie elle est différente parce que là, quand tu arriveras à un certain niveau, il y a une scène qui va déclencher. Ah, je sais, ça arrive, mais c'est pas une. Voilà, c'est un œil dessus. Oh là, pareil. Ah, il se dépasse hyper vite, hein, c'est tel. Ah, ça fait réussir assez facilement ce coup. Alors voilà, quand. Vas-y, ce qui se passe quand on est dans tous les deux. Des shurikens ou des kunai. Il se passe une scène, voilà, qui est assez. C'est assez bien fait, puisque bon, les kunai se croisent, voilà, encore une fois. Et ouais, plus sur la touche qu'avec. Ouais, c'est bien. Ouais. Oh,
Voilà. Substitution. Graphiquement, même pendant les combats, c'est très beau. Hein. Enfin, c'est excellent. Ça reprend du bien le manga. Alors, il y a des combos aussi. Il y a des combos à réaliser. Voilà, par contre, je vais perdre. Ah là, là. Normalement, il y a. Voilà. C'est vrai que ça s'est déclenché. Vous voyez les étoiles en haut En fait, chaque petite étoile remplie au bouclier. Vous avez fait les petites étoiles, ça en fait une grosse, et quand vous avez trois grosses. Ça vous fait le flashback. Hop. Plus vous activez vite, plus vous avez. Alors, je montre pas là alors que c'est celui-là que j'ai monté dans les extraits. Dans mon extrait. Je sais pas si on montrera peut-être pas l'extrait. Là c'est vraiment magnifique, ça reproduit vraiment bien ce qu'il y avait dans le manga. Enfin dans l'anime, enfin dans le manga aussi. Là c'est l'anime. C'est fait, c'est excellent. Parfait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On voit tous les petits détails, même la marque qu'il a dans le cou, là c'est un élément principal quand même, mais faut pas l'oublier quoi. Et au niveau des dessins du crayonné, c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est le style manga quoi, je veux dire, c'est pas on va les mettre style comme si vous jouez Uncharted, des trucs comme ça quoi. C'est vraiment le style manga. Voilà, voilà une autre phase hein, où l'ennemi est protégé, enfin il y a un autre élément qui entre en scène. Je crois que c'est très bien. Yeah. C'est comme la tour. Ces différentes attaques, les points qui sont bien vérifiés. Là, il fait des strikes verticales, donc il y a des strikes horizontales. Donc voilà. Et toujours pareil, hein, quand sa barre de vie sera rompue à un certain cran. Oh là là, quand je fais ça mort. Quand il y a un certain cran, on passera à la scène suivante. Voilà, c'est bien, c'est bien. On va essayer de vous mettre juste à la scène qu'on met au tout début du combat. Ils vous remettent à la scène, bah voilà, quand ça commence ici, mais avec les points de vie que vous aviez. Pas la V. Ouais, c'est pas trop dur non plus. Là, je suis en difficulté. Je crois normal, intermédiaire. Il y a pas facile, c'est assez intermédiaire. Ouais, c'est une attaque qui peut perdre, ça faut quand même l'utiliser, ça fait pas mal. Ah, le dynamisme, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qui fait la force. Hein. La dynamisme, c'est qu'on voit. Encore, on ne sait pas. Kakuzo contre Naruto. Comme je leur dis, pour ceux qui connaissent la série, ils voient de quoi je parlais, avec quand ils se transforment et tout, là c'est vraiment. Au rendez-vous. Oh,
en retour. Allez, fin, il y a des... J'espère là, je prends un peu de... Allez, je vois. On va bien tout ici. Mais bon, comment ça se voit, mais je vais éviter, hein. Quand est-ce qu'il va faire, moi, vous voyez ce qu'il y a à faire. Pour le coup, il vous jette des pierres. Voilà. Ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir enchaîner sur parce que là le temps tourne. Je vous montrerai les autres modes quand même, vous montrer les attaques des personnages. Donc là vous voyez, bon, j'ai été mauvais. Bon. Les combats normaux, les combats avec QT et tout, ça met de l'ambiance. Donc au niveau des chapitres, donc, on disait le retour de Naruto, combat contre avec Gaara, contre la Katsuki, trouvaille. Donc là c'est le pont du ciel et de la terre. Oui, il y a Naruto, quand c'est Naruto qui va affronter Orochimaru. Donc là, c'est le combat contre Hidan et Kakuzu. Oui. Là, c'est quand il forme son équipe et qu'il va affronter Deidara à la fin, Sasuke. Là, c'est le combat donc, Sasuke contre Itachi. Donc là, c'est Jiraiya contre Pain. Enfin, le principal de ce chapitre. Donc là c'est Naruto contre Pain. Des fois il y a des petits combats qui n'ont pas dans l'anime mais ça complète un peu. Et ça, bon, ça c'est un truc qu'il faut débloquer, c'est contre Killer Bee, donc en normal et en forme éveil. Donc voilà. Donc je montrerai, j'ai pas trop montré la map, mais je mettrai des extraits en complément de cette vidéo pour vous montrer quand même. Je leur dis encore une fois ça, mais bon, pour vous montrer comme ça, ça m'évite de trop passer de temps sur ça. Bon, je vais quand même aller faire un tour au monde du Goku vite fait, parce que je sais plus si je l'avais montré. Au moins, là, vous verrez. Yes. Hop, voilà. Bon là, quand même, déjà les décors, vous voyez, ceux avec quoi vous intéressez pas, vous voyez les fleurs, bon. Mais là, regardez, je trouve ça beau. Là, quand on va s'éloigner, ça va être magnifique. Yes. Vous voyez, l'eau est animée, vous voyez pas, mais elle bouge. Hein. Donc, et la fontaine, au fond, c'est le truth boat, comme diraient certains. Hop. Je ramasse derrière un crapaud, on se demande ce qu'il ramasse. L'huile de crapaud. T'as de la chance, là. Donc là c'est des trucs, alors ça vous priez devant et ça vous fait que lorsque vous récupérez des objets vous avez plus de chance dans... Voilà, vous devenez chanceux, vous voyez en haut à gauche la petite stèle qui s'affiche, vous avez plus de chance de ramasser des objets un peu plus rares on va dire et en plus grand nombre quand vous récupérez dans les plantes. Donc voilà, bon elle est pas très grande la zone, ça s'arrête à là mais elle est graphique. Moi c'est la zone la plus, pour moi la plus belle. Au niveau du décor c'est... tout est là quoi. Donc voilà, bon, je vais montrer les autres modes quand même. Voilà. Quitter, bon évidemment faut trouver le point de sauvegarde et dire qu'on veut quitter. Allez cours, Naruto. Oh c'est beau. Je m'extasie devant le décor mais là c'est. Les dessins là sont magnifiques. Les combats sont dynamiques, les déplacements sur la map sont beaux. Regardez. Vous revenir en plus. Regarde terminé, allez. Voilà. Donc bon, le mode combat en ligne, je le montrerai pas, mais bon, c'est le mode versus, mais en ligne. On peut s'affronter contre le mode versus simple, on peut s'affronter en contre l'IA ou contre un pote, évidemment, on peut jouer à deux, hein, sinon pas d'intérêt quand même le mode versus. Combat libre, voilà.
Donc voilà, vous pouvez même faire IA contre IA, ça peut être sympa, peut-être pour regarder. Un combat en équipe, donc pareil, en solo, si vous voulez que des potes n'interviennent pas. Je vais montrer comme ça, comment ça marche. Donc voilà tous les personnages qui sont présents dans le jeu. Alors vous voyez, donc il y a différentes. Comme c'est la différente période de l'histoire, donc vous avez par exemple, il y en a que deux comme ça, Naruto un peu au début, et Naruto une fois qu'il est en mode ermite. Sasuke un peu plus au début et un peu plus avancé dans l'histoire. Comme il a différentes techniques et différentes tenues, ils auraient pu mettre sur un seul personnage et pu changer. Et au niveau des attaques aussi, comme ils ont qu'une attaque spéciale, donc ça c'est un peu. Je dis, ceux qui se connaissent Naruto reconnaîtront. Donc là, Rasengan à 9 cubes, bon ça c'est un super Rasengan qui est plus au début. Et ça, quand il apprend la technique, c'est un peu plus avancé. Après, en mode c'est ermite. Et ça c'est juste pour des guillemets, on va dire. Donc ça c'est la technique Ninjutsu au début, ça c'est Girafe, la technique qu'il utilise, super technique de foot qu'il utilise. On voit, je vous ai montré dans le combat contre Sasuke contre Itachi, on voit un vieux bestiole du ciel en éclair, bah c'est ça. Enfin ça là on l'utilise, là c'est plus dans la cinématique, mais c'est à peu près ça. Et là bon, là c'est quand il a, après le combat contre Itachi.